Voilà, bonjour, désolé vraiment pour le retard. Bonjour, bonne arrivée à tous. Désolé pour le retard. Désolé, désolé, désolé. Athéna Miyongo Epo, bonjour à vous. Dorothée Ngono, bonjour. Tekore Esther, bonjour à vous. Olivier Mathieu depuis Bertois, bonjour. François Pondy, bonjour. Voilà. Bonne arrivée à tout le monde. Good morning, Daddy. Lovely culture. Thank you. You are blessed. Gisèle Le Blastier. Wow. Que Dieu bénisse. Bonne arrivée à tout le monde. Partageons la vidéo, s'il vous plaît, et envoyons des cœurs. Envoyons des cœurs. Envoyez des cœurs, c'est. Vous voyez, en bas de votre écran, il y a le pouce bleu et le cœur. Là, vous appuyez juste dessus. Je ne sais pas envoyer en commentaire, quoi. Désolé pour le retard, pour tous ceux qui viennent de se connecter. Et j'ai dit hier que les 500 premières personnes qui vont s'abonner, Dieu les bénirait. Et le Seigneur a veillé sur cette parole prophétique qui est partie. Dieu a veillé sur elle pour qu'elle s'accomplisse. Donc ceux qui se sont abonnés hier, qui ont fait partie des 500 premières personnes à s'abonner, sont bénis. Voilà. Et ce matin encore, celui qui partage, la plus de 10 groupes, Seigneur, bénis-le. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce dans la vie de chaque personne ce matin. Merci pour ta bénédiction. Nous te louons, nous te célébrons parce que tu es digne de louange et d'acclamation. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Partage la vidéo. Partage la vidéo à 10 groupes ou 10 personnes. Le Seigneur te bénit pendant que tu le fais. Dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu es bon. Que ton nom soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit sanctifié davantage. Dans ton église, au milieu de ton peuple. Dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Désolé, je suis très fatigué. Mais il fallait que je tinge ma promesse. Par rapport à ce direct et par rapport à la question sensible que nous sommes en train d'aborder depuis, je pense, hier ou avant-hier. Donc voilà, partageons la vidéo à plus de 10 groupes, à plus de 10 personnes et invitons nos amis et connaissances à être là ce matin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous immédiatement. Abonne-toi et Dieu te bénit. Au nom souverain de Jésus-Christ. Abonne-toi, abonne-toi. Et pendant que tu le fais, le Seigneur te bénit au nom souverain de Jésus. Seigneur, merci pour tous ceux qui s'abonnent ce matin. Bénis-les, 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 bénis-les. You are blessed in Jesus' name. Voilà, on a commencé direct très en retard, une heure de temps après. Et je ne veux pas mettre long avec vous. Vous savez que nous sommes en train de préparer la grande nuit
des flammes du côté de Douala ce vendredi à partir de 21h. Et dimanche, à partir de 7h30, on aura un grand culte du côté de Yaoundé et de Douala et de Bertoua et à Makenene, partout dans nos églises, hein, au Cameroun, Papoucham, Gaoundéré, Garoua, partout. Nous vous invitons à assister à ces cultes et le Seigneur vous bénira dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Alors, on va revenir rapidement dans la thématique. Vous savez, comme j'ai dit, il y a des thèmes que l'Église n'aime pas souvent aborder. Et ça induit les gens en erreur. Et quand les gens n'ont pas la connaissance, chacun fait comme il entend. Et parfois, les répercussions sont très profondes pour l'Église. Le chrétien doit-il se masturber? La masturbation est-elle un péché? Beaucoup m'ont écrit en disant, « Prophète, nous voulons savoir la réponse à cette question. Est-ce qu'un chrétien doit se masturber? Deuxièmement, est-ce que la masturbation est un péché? » Nous avons essayé de parcourir les Saintes Écritures. Et nous nous sommes arrêtés dans Genèse chapitre 38. Et nous avons vu que dans toutes les Saintes Écritures, les Saintes Écritures qui sont la référence éducative pour le croyant, nous n'avons pas un enseignement sur la masturbation. Nous n'avons pas un modèle de personne clairement qui a pratiqué la masturbation ou un enseignement qui élucide les questionnements sur la masturbation. Il n'y a pas de doctrine sur la masturbation et en plus, la masturbation n'est même pas citée parmi les péchés prohibés par les Écritures. Et ce n'est pas le seul péché qui n'est pas prohibé de manière notoire et directe. Parce qu'il y a d'autres péchés dans la Bible, comme fumer la cigarette, voyez, ou bien fumer le banga, ou bien se droguer. Donc ces péchés-là n'existent pas, mais il y a des versets bibliques génériques, des versets génériques, ça veut dire des versets qui englobent plusieurs choses en même temps. Par exemple, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui donc qui détruira le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira aussi. Donc si on s'accroche sur ce verset, on va voir qu'est-ce qui détruit le corps. Comme la débauche, on a la cigarette, on a la boisson et bien d'autres choses comme cela. Donc, chaque chose qui détruit ton corps et que tu fais et qui met en danger l'intégrité de ton corps, la Bible dit que c'est un péché. Et donc, c'est susceptible d'être puni par un châtiment divin. Il n'y a donc pas de commandement biblique qui dise « tu ne te masturberas point ». Il y a aussi l'enseignement qui dit « tu te masturberas ». La Bible ne parle pas de la masturbation, tout comme elle se tait sur le mariage chrétien. Il n'y a pas d'enseignement biblique qui dise comment le mariage chrétien doit être célébré dans l'Église. Ça n'existe pas, vous voyez. Dans ce moment-là, chacun, chaque Église, chaque ministère se bat pour trouver une solution, un enseignement, une liturgie qui va avec les domaines sur lesquels la Bible s'étudie. De la masturbation fait donc partie de ces domaines sur lesquels la Bible n'a rien dit. La Bible ne donne pas d'interdiction formelle et la Bible ne donne pas le permis de le faire. Dans ce moment-là, ça fait partie des zones où l'Église se retrouve abandonnée à elle-même devant chercher dans d'autres passages bibliques des passages qui pourraient permettre de donner une sorte de catégorisation à tel acte ou bien à tel autre acte. Et puis dans certains domaines, je pense par exemple les pratiques sexuelles, les positions dans le couple chrétien, la Bible n'en parle pas en fait. Ouais, la Bible n'en parle pas. La Bible ne dit pas que telle position est interdite, telle position n'est pas interdite. Quand vous êtes marié, voici les positions sexuelles que vous devrez avoir. Donc à partir de ce moment, cela est laissé à la bonne conscience de chacun, d'abord. Et puis, on essaie de parcourir les Saintes Écritures pour voir est-ce qu'il y a d'autres enseignements dans d'autres domaines qui pourraient déborder dans le domaine-ci où la Bible n'a rien dit. Est-ce qu'il y a des passages parallèles? C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle le parallélisme. Le parallélisme doctrinal, ça veut dire qu'il y a une doctrine qui se rapproche un peu
de la vérité si, qui n'a pas de doctrine. On essaie de voir, on essaie de trouver est-ce que la Bible a parlé de ça et si on prend telle demande, on amène ici quelle est la ligne de conduite que nous devrions afficher. Voilà. Donc, la question de la masturbation, aucun homme de Dieu ne peut se lever aujourd'hui et dire que voici ce que la Bible dit par rapport à ça. Nous avons vu que dans le cas d'Onan, soit il se masturbait, soit il pratiquait ce qu'on appelle le coït interrompu. Dans un cas ou l'autre, il ne meurt pas à cause de ses pratiques sexuelles, mais il meurt à cause de la méchanceté de son cœur et le refus de laisser une postérité à son frère. Il a désobéi au commandement. Il a désobéi au commandement de Dieu. Maintenant, je vais par exemple prendre le cas de Carmel, la fille de Dieu. Chacun peut en commentaire, je vais lire vos commentaires librement. Ce n'est pas biblique, la masturbation. Je pense que c'est la masturbation que vous voulez dire. Donnez-nous votre point de vue, je vais lire ça en direct. C'est un sujet très important pour moi en tant que prédicateur et étant un modèle pour les jeunes, sachant que la plupart des jeunes subissent ce phénomène, ce fléau. Pour moi, c'est très important de parler de cela. Tous ceux qui ont partagé à plus de 10 personnes, 10 groupes, que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Donc, nous avons Carmel, la fille de Dieu, qui dit que la masturbation n'est pas biblique. J'ose croire qu'elle voudrait dire que la Bible interdit la masturbation. Parce que généralement, dans le jargon, la terminologie pentecôtiste, quand ce n'est pas biblique, ça veut dire que la Bible condamne cela. Ou alors, elle veut dire que cela n'est pas noté dans la Bible. Si c'est que la masturbation n'est pas biblique dans le cas où la Bible l'interdit, et ce n'est pas vrai. La Bible ne donne pas d'enseignement. Il n'y a pas une loi sur la masturbation. C'est un thème sur lequel la Bible se tue complètement. Moi, j'ai lu la Bible de A à Z. Je l'ai lu, j'ai relu, j'ai tourné, fouillé, bêché. Je n'ai pas trouvé un endroit où la Bible parle de la masturbation, en fait. Ça n'existe pas. Bon, quand c'est comme ça, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous reste? Le bon sens. Le bon sens et la bonne conscience. L'apôtre Paul dit, cette bonne conscience, plusieurs l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Et on peut aussi se référer sur ce conseil que Jésus-Christ nous a donné. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car vaut mieux entrer borgne ou manchot dans le royaume que d'avoir tes deux yeux ou bien tes deux bras et d'aller en enfer toi. Maintenant, chacun doit se poser la question de savoir, moi qui pratique la masturbation, est-ce que cette pratique m'épanouit spirituellement? Est-ce qu'elle me rapproche de Dieu? Est-ce qu'elle purifie ma pensée, mon esprit? Est-ce qu'elle épure mes intentions, mes pensées? Est-ce qu'elle me fait avancer? Est-ce qu'elle m'aide à connaître plus Dieu? Donc moi je pense que voilà les questions qu'il faut répondre. Vous voyez? La question qu'il faut se poser, c'est ça. Ce sont les réponses à ces questions qui te permettront, en tant qu'individu, de tirer des conclusions, à savoir, est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça m'aide? Est-ce que la masturbation me rapproche de Dieu? Est-ce que la masturbation facilite mon service de Dieu? Est-ce que la masturbation me rapproche de Dieu? Est-ce qu'elle m'épanouit? Est-ce qu'elle contribue à mon épanouissement? Est-ce qu'elle contribue à mon épanouissement spirituel? Il faut se poser ces questions. Donc, si la réponse est oui, ça veut dire que, ok, vraiment c'est bien pour toi, ça c'est toi. Si la réponse est non, ça veut dire que ça c'est toi. Prenons mon cas. Moi, la masturbation m'éloignait de Dieu. Ça veut dire qu'elle me troublait, elle perturbait mon esprit. Mon cœur n'était pas en paix en fait. Je culpabilisais. Et pourquoi est-ce qu'on culpabilise? Parce qu'en fait, l'acte sexuel, au début, lorsque Dieu va imposer l'acte sexuel, il parle de rapport sexuel entre l'homme et la femme. Ouais. Il ne prévoit pas de texte pour dire que l'homme pourrait aussi se donner le plaisir seul. Ouais. Et le problème, c'est quoi? C'est que la masturbation, en réalité, ne contribue pas au commandement de Dieu quant à la pérennisation de l'espèce humaine. Ça veut dire aller
multipliez, vous remplissez la terre et l'assujettissez. La masturbation ne peut pas obéir à ce commandement, ne peut pas accomplir ce vœu de Dieu. Ce n'est pas possible. Et de deux, la masturbation, un homme qui se masturbe ne peut pas accomplir cette prophétie aussi. Pourquoi? Parce qu'en se masturbant, on ne peut pas procréer. Et la femme qui se masturbe aussi ne peut pas procréer. De la masturbation, en rien ne contribue à la pérennisation de l'espèce humaine. Vous voyez. Donc, à partir de ce moment, on doit se poser des questions. Et comme j'ai dit individuellement, chacun devrait se demander, est-ce que la masturbation me rapproche de Dieu? Est-ce que quand je me masturbe, les portes spirituelles me sont ouvertes? Est-ce que je gagne? Mais la Bible dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, etc., alors là, ça pose un problème. Et une autre chose, c'est que la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si en te masturbant, ta conscience te juge, tu commets un péché. Ouais, c'est un péché. Si la masturbation contribue à t'affaiblir spirituellement, ou bien te prédispose à pécher, à vouloir aller plus loin. C'est-à-dire que tu te masturbes et que tu te masturbes et dans le cours de se masturber, il y a des effets secondaires comme le désir de regarder des films pornographiques, des films érotiques. Et qui regarde des films pornographiques aura besoin à un certain moment de toucher à une femme ou à un homme. Et ça pourrait t'amener dans des débordements, des exactions, et tu pourrais te retrouver en train d'aller vers des prostituées, hommes ou femmes, en train de te livrer à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Donc c'est là que chacun doit juger si cette pratique est bénéfique pour sa relation avec Dieu. Mais si tu te rends compte que c'est une occasion de chute, il faudra arrêter. Il faut arrêter en ce moment-là. Tout ce qui apporte le jugement dans ton cœur, dans ta pensée, la culpabilité est un péché. Parce que c'est un barème en fait. C'est un barème. C'est-à-dire que la Bible ne dit pas que la masturbation est un péché ou elle n'est pas un péché. Mais il y a des barèmes, des vérités universelles. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux types de vérités. Il y a ce que j'appelle les vérités locales. Les vérités locales, ce sont des vérités circonstancielles. C'est des vérités qui vont avec circonstances, mais qu'on ne peut pas généraliser. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les vérités universelles. Par exemple, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Donc, si quelque chose te juge, déjà, la Bible dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Si quelque chose te juge déjà, à partir de ce moment-là, c'est un péché. Vous voyez, parce qu'il n'y a plus de conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Tout ce que tu fais et que ta conscience se lève, ta conscience te dit non. Parce que ta conscience est un peu la voix de Dieu et la petite voix de Dieu en toi. Donc je pense que sur cette base, pour moi par exemple, la masturbation nuisait à ma relation avec Dieu. Donc il était urgent et impératif pour moi de trouver une solution, de stopper ce saignement et cette plaie. Et je bénis Dieu parce que ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que le Seigneur m'en a délivré et Dieu m'a permis d'avoir la paix dans mon cœur. Les pressions que cela a produites en moi, tout cela, bon, le Seigneur m'en a délivré et je suis plus épanoui sans la masturbation que lorsque je pratiquais la masturbation. Lorsque je pratiquais la masturbation, vraiment, parfois même quand je priais, j'avais des problèmes. Je n'arrivais pas à me concentrer dans la prière parce que je me disais, certainement Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne va pas m'exaucer. S'il vous plaît, comment faire pour vous contacter? Là, c'est mon connu François. D'accord, on va voir ça. Donc, personnellement, le Seigneur m'a aidé, il m'a fait grâce, et puis la masturbation est passée. Mais ça n'a pas été facile. Et depuis que Dieu m'en a délivré, le Seigneur m'en a libéré, je pense que je me suis beaucoup épanoui dans ma relation personnelle avec le Saint-Esprit. Parce que c'était une grande cause de culpabilisation pour moi. Et je vous ai expliqué aussi que, en fait, vous comprenez, écoutez bien mon enseignement. Hein? Écoutez bien mon enseignement. La masturbation, la Bible ne la qualifie pas comme péché ou pas comme péché. Je suis un prédicateur vrai. Je dis ce que la Bible dit. Je ne dis pas ce que la Bible n'a pas dit pour convaincre les gens, mais pour partager mes convictions aux gens. Non. La Bible dit, si quelqu'un est d'un autre avis, Christ l'éclairera.
Et l'apôtre Paul a dit, quoi donc? Mentirions-nous pour que la vérité soit connue? Il dit, loin de là. Donc je ne peux pas mentir. Je ne peux pas venir vous dire que, voici, la Bible condamne la masturbation n'ayant pas de sources bibliques. Et je dis encore, aucun prédicateur ne peut vous sortir une loi qui dit dans la Bible que, comme il est écrit, tu ne commettras point d'adultère, il n'y a point de commandement qui dit, tu ne te masturberas point. Donc voilà un peu la situation. Maintenant, les gens me posent la question. Les gens me posent la question de savoir comment faire pour arrêter la masturbation. Je ne pense pas qu'il y ait une règle générale, mais je peux vous partager mon témoignage. Comment le Seigneur m'en a sorti. Vous savez, j'étais ancré à la masturbation en sorte que chaque fois que j'allais me laver, je me masturbais en tant qu'enfant de Dieu, baptisé dans le Saint-Esprit. Vous voyez? Étant baptisé dans le Saint-Esprit. Et j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit en me masturbant. Ça veut dire que la masturbation n'a pas empêché que Dieu me donne le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un peu ça la réalité. Alors, pendant des années, j'ai combattu contre la masturbation. Je me suis efforcé à abandonner, je n'ai pas pu. J'ai tout fait, je n'ai pas pu. Comme beaucoup de jeunes qui sont en train de me regarder maintenant n'ont pas pu. Et je veux dire à tous les jeunes que le 3 mars, le 3 avril, nous avons notre culte de la jeunesse à la BIR, le culte de l'Assemblement National de tous les jeunes. Si tu es jeune, sois là. Donc, la masturbation des jeunes femmes comme hommes souffrent de cela, sérieusement. Vous voyez, les gens souffrent. Les gens souffrent tellement de cela, sérieusement. Vous avez mes numéros WhatsApp. Pour tous les jeunes qui souffrent de la masturbation, je pense que je vais vous donner des conseils dans mes WhatsApp. À partir de mes WhatsApp, si vous pouvez afficher mes WhatsApp, afficher ça. Ceux qui ont du mal, vraiment, après, le conseil et le secret que je vais donner, ceux qui n'arrivent pas à arrêter, écrivez-moi dans mon WhatsApp. Nous allons discuter. Dieu m'aidera à avoir le temps pour vous écouter, vous aider à sortir de cette situation. Alors, je me suis battu pendant des années à sortir de la masturbation. Je n'ai pas pu, en fait. Ce n'était pas facile. J'ai jeûné. Des jeûnes à sec. Et je partais clôturer le jeûne avec une petite masturbation d'abord. Et vous imaginez dans quel état je me trouvais après. Je me sentais très mal après cela. Je me sentais vraiment très mal. Alors, comme je me débattais et Dieu a eu pitié de moi, le Seigneur, s'il vous plaît, 213 groupes, waouh, et plusieurs personnes. Ça c'est, merci Gavoka, ça c'est bien. S'il vous plaît, je vous en prie, affichez-moi le numéro WhatsApp. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour me battre et pour surmonter la masturbation? Pour moi, à l'époque là, j'avais peur d'être seul. Nous qui ne sommes pas au Cameroun, on fait comment? C'est pour ça que j'ai dit, affichez mon WhatsApp, s'il vous plaît. Je veux le relire pour que les gens puissent écrire. Écrivez-moi inbox. Tous les jeunes qui sont en masturbation, mariés ou célibataires, nous allons parler ensemble. Donc, ce qui se passe, c'est que Mathias, tu sais, papa, j'ai vraiment besoin de votre prière. Mon cas est sérieux, d'accord? Et il n'y a personne pour afficher mes WhatsApp. Parce que vous savez, les arnaqueurs, vous envoyez des WhatsApp qui ne sont pas mes numéros, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des années, j'ai subi la masturbation. Je jeûne, je jeûne, je jeûne. Le jour où je clôture le jeûne, je me masturbe. Imaginez-vous comment ça casse ton moral. À un certain moment, même aller prier, même, j'avais honte de moi-même. J'avais honte. Je me disais, je vais aller prier quoi? Dieu ne va pas m'exaucer. Comment est-ce que... Je vous ai dit que j'ai même prié que Dieu me rende impuissant. Laurie et Sono, vous ne répondez pas sur WhatsApp. C'est Laurie et Sono, c'est vous. Par jour, je ne reçois pas moins de 5000 messages WhatsApp. Ça fait que j'ai des dizaines de milliers de messages. Oui, affichez. Choupi, choupi. Affichez mon WhatsApp. Je vais dire ça. Donc, ça fait que si vous m'écrivez, après 10 minutes, votre message va très loin parce qu'il y a des centaines, des dizaines de centaines de messages qui entrent immédiatement. Donc, c'est un peu pour ça. Ça veut dire qu'il y a des gens que peut-être je n'ai même jamais répondu à leur message WhatsApp. Donc, pardonnez-moi. C'est que je suis un homme, je suis limité. Je veux vraiment répondre. Quand j'ai le temps, je réponds.
Je prends vraiment le temps, je réponds aux gens. Bon. Mais je veux satisfaire tout le monde, désolé. Désolé, je veux me forcer. Donc, je disais que, voilà, voici mes WhatsApp. 672-13-03-23. 672-13-03-23. 692-40-71-86. 692-40-71-86. Donc, s'il vous plaît, prenez ce numéro WhatsApp et écrivez-moi par ce numéro WhatsApp pour ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir. Après que je vais partager mon secret ici. Tous ceux qui ont ce numéro, affichez-le, s'il vous plaît, si vous avez bien suivi. Pour que les arnaqueurs ne puissent pas arnaquer ceux qui sont imprudents ou qui ne maîtrisent pas bien les réseaux sociaux. J'ai dit mon WhatsApp personnel, c'est 672-13-03-23 ou le 692-40-71-86. J'ai aussi les numéros par lesquels vous pouvez envoyer vos offrandes de connexion, vos offrandes à l'éternel, vos vœux, etc. Que Dieu vous bénisse. Donc, affichez, tout le monde, affichons ces numéros. Voilà. Donc, bien-aimés, je me suis donc efforcé, j'ai prié que Dieu me rende impuissant. J'ai dit, Seigneur, rends-moi impuissant et quand je veux grandir, que je veux me marier, tu me remets ma puissance. Je suis même allé jusqu'à réfléchir que je peux me couper le sexe, comme ça là, ça fait que bon, ça va, plus de problèmes, plus de femmes, et ça va, plus de masturbation, on est bien cher, Dieu, comme un éunuque. Quand on est nouveau converti, vous savez, on a des ailes, un zèle parfois démesuré. Donc, affiche le WhatsApp, s'il vous plaît, pour ceux, prenez le WhatsApp dans les commentaires ici. J'ai déjà lu ça. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour sortir? Hein? Plus 237, 672, 13-03-23 ou le 200, plus 237, 692, 40-71, 86. Voilà, WhatsApp personnel. Ça, c'est mon WhatsApp. Ça, c'est pour vous que j'ai mis ce WhatsApp sur pied pour parler avec vous. Donc, bien aimé, pendant des années, je me bats donc pour sortir et je ne peux pas. Et il faut savoir, laissez-moi vous dire une chose. Comment est-ce que la masturbation est devenue un problème pour moi? Il faut que tu saches ça. Parce qu'un frère en Gaoundéré confessait la masturbation, je me suis moqué de lui. Je lui ai dit, ah vraiment, vous vous dérangez les gens, c'est quel genre de faux chrétien comme ça? Comment tu es né de nouveau et tu te masturbes? À l'époque, je n'étais pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, je crois bien. Hein? Et donc, quand ma part de masturbation a commencé, mes amis, aïe, aïe, aïe. Dieu a voulu m'enseigner une seule leçon. Il m'a dit que tu n'abandonnes pas le péché parce que tu es capable. C'est ma grâce. Ce n'est pas mon esprit. Ce n'est pas par la force ni par ta puissance. Mais c'est par ma grâce que tu peux te sanctifier. C'est pour cela que lorsque Dieu te donne la grâce de te sanctifier, de ne pas commettre un péché, ne te moque pas de celui qui commet ce péché-là. Ce n'est pas bien. C'est un manque de sagesse. Parce que le jour où Dieu va te livrer à toi, mais tu vas comprendre que c'est par grâce qu'on abandonne le péché. Alors, le Seigneur m'a enseigné la loi de l'ignorance. La loi de l'ignorance. Voilà ce qui m'a délivré. Parce que chaque fois, j'étais tellement conscient de la masturbation que la masturbation m'a atteint. Elle me dominait. Et le diable utilisait ma peur, le fait que je redoutais la masturbation pour me soumettre à elle. Et la loi de l'ignorance, l'apôtre Pierre va l'appliquer lorsqu'il est dans la barque. Vous savez, quand l'apôtre Pierre est sur la barque, il y a les flots. Il y a les vagues folles. Il voit Jésus, dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. L'apôtre Pierre marche en regardant à Jésus. Il oublie les vagues. Et donc, il a domination sur les vagues. Mais à partir du moment où il retourne ses yeux pour devenir conscient que les vagues sont là, qu'elles existent, qu'elles constituent un problème et qu'elles peuvent même le noyer, les vagues ont pris autorité sur lui, ont commencé à le noyer. Donc, c'est ça qu'on appelle la loi de l'ignorance. Dieu m'a amené à comprendre que si tu veux vaincre un péché, ignore ce péché. N'aie plus peur de ce péché. Vis comme si ce péché n'existait même plus. Et donc, quand j'ai commencé à appliquer la loi de l'ignorance, ça ne veut pas dire que directement, comme la sorcellerie ou la magie, ça a commencé à marcher. Non. Je pouvais me masturber. Il m'arrivait de me masturber. Et quand je me masturbe, je suis en train de bloquer aussi en même temps nos amis du Bénin qui viennent publier des trucs de maraboutage ici.
Why? Donc, j'ai appliqué la loi de l'ignorance. Et donc, quand je me masturbais, avant quand je me masturbais, je pleurais, je culpabilisais. Même aller à l'église, j'étais découragé. Mes heures de prière, je ne respectais plus. Même lire la Bible, je ne voulais plus lire la Bible. Parce que je me disais, je me suis encore souillé. Alors, la loi de l'ignorance, quand je commençais à l'appliquer, même quand il arrivait, en ce temps-là que je me masturbe, ah, je faisais comme si rien n'était. Je disais, au nom de Jésus, je suis sanctifié. Satan, tu ne peux plus briser mon moral. Tu ne peux plus me décourager. Tu ne peux plus m'anéantir. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Et je vis comme si de rien n'était. Après, le temps, ça commençait à s'espacer. Je fais une semaine, je ne masturbe pas. Deux semaines, le jour où je tombe, je fais comme si de rien n'est arrivé. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis plus que vainqueur. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sûrement le mal par le bien. Je confessais le positif, je confessais la victoire. Et cette mentalité défaitiste, je m'en suis défait. Et puis ça faisait un mois, après ça, deux mois, après trois mois, après un an, après deux ans, après trois ans, 10 ans, 20 ans, Dieu m'en a délivré. Ouais. Donc à chaque fois que tu es conscient d'un péché, et que ce péché a une influence sur toi, tu es conscient de ça, c'est ta peur qui donne la force à ce péché pour te dominer. Le diable utilise nos peurs pour nous dominer. Le diable utilise notre culpabilité. Lorsque tu culpabilises face à un péché, parce que supposons que tu tombes dans un péché, ta culpabilité va changer quoi? Il faut la repentance. Il faut être conscient que j'ai mal fait. Demander pardon à Dieu, me relever. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, je tends vers ce qui est à l'avant. Donc c'est important. La culpabilité ne va t'amener nulle part. Jésus lui-même dit que qui d'entre vous par ses soucis peut rendre blanc ou noir un ses cheveux de sa tête. Si donc vous ne pouvez rien faire, Jean ne peut de fois, pourquoi vous souciez-vous? Donc le diable utilise la culpabilité pour te maintenir dans la prison, pourtant tu es déjà libéré par le sang de Jésus. Vous voyez, beaucoup de chrétiens donc sont comme ça. Un peu, prenez, si vous avez des poules chez vous, attrapez une poule, faites l'expérience aujourd'hui, mais après le direct. Attrapez une poule, attachez-la. Faites-la coucher, appuyez-la avec votre main. Détachez-la pendant que vous l'appuyez avec la main. Enlevez la main, partez. La poule aura toujours la culpabilité et la conscience qu'elle est attachée. Pourtant, elle est déjà libre. Elle est libérée. Elle va rester couchée là-bas jusqu'à vous partez, vous revenez, vous allez la trouver là-bas. À moins qu'il y ait quelque chose qui l'effraie ou qui attire son attention ailleurs. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. S'il arrive que tu tombes dans le péché, demande pardon sincèrement à Dieu, relève-toi. Sache que tes soucis ne vont rien faire. Ça ne va pas changer la situation. Prends plutôt des résolutions fermes à ne plus retomber. Prends des résolutions qui te feront avancer, qui feront que dans le futur, lorsque tu croiseras le même péché, que tu ne tombes plus, que tu ne succombes pas. Prends des résolutions qui t'aideront à être une personne meilleure pour l'avenir. Ouais. Ne te condamne pas où Dieu t'a pardonné, où Dieu ne te condamne pas. Parfois, nous nous condamnons nous-mêmes où Dieu ne nous a pas condamné, où Dieu nous a déjà pardonné. Et c'est sur ça que le diable s'appuie donc pour faire de toi son captif. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont captifs des péchés pardonnés. C'est un drame, mes amis. C'est un drame que d'être encore captif, c'est-à-dire que de ne pas te pardonner où Dieu t'a déjà pardonné. Et ça fait qu'il y a des enfants de Dieu qui culpabilisent pour des péchés il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a... Non. Non, mes amis. Le sang de Jésus-Christ est autant rapide que la prise de conscience. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Son sang nous lave de toute souillure. Donc les enfants de Jésus doivent comprendre la puissance du sang de Jésus dans leur vie et dans leur rapport. En face du péché, le sang de Jésus-Christ est là. Voilà pourquoi Jésus lui-même il dit « Heureux ceux qui lavent leur robe. Ouais. » Donc lui-même il sait que ta robe peut se salir parfois. Donc quand tu es dans le péché de masturbation, la chose qu'il faut éviter, c'est la culpabilisation, la culpabilité. Il faut sortir de la culpabilité qui est aussi un péché en soi. Parce que si Dieu te pardonne et que tu ne te pardonnes pas, tu pèches en fait. Ouais. De deux, il faut appliquer la loi de l'ignorance. N'accepte plus que la masturbation entame tout ton être, ton âme, ton corps, ton esprit et gâche ta vie, tes journées, ta relation avec Dieu. Quand ça arrive, dis au nom de Jésus, je suis sanctifié, je refuse de m'avouer vaincu, je sais que je suis plus que vainqueur. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, Dieu me délivrera de toute mauvaise œuvre. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. C'est ça le principe qui doit conduire tout enfant de Dieu.
Quand tu es dans une situation terrible, un péché où tu te rends compte que c'est un combat, il y a des péchés, mes amis, qui vont te prendre des années et des années. C'est ça la sanctification progressive. Il y a des péchés résistants, il y a des péchés récalcitrants, il y a des péchés têtus. Et Dieu est miséricordieux, il te donne le temps. Il dit, sachant que la longanimité, ne savez-vous pas que la longanimité de Dieu vous donne le temps de vous repentir? Il y a des péchés que même Dieu sait qu'il te faut du temps pour sortir de ça. Ça, c'est clair. Alors Dieu t'accompagne dedans. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède pour nous. Pourquoi il intercède? Parce que tu es en difficulté. Parce que tu te retrouves dans une prison, tu es dans un puits, il faut sortir, tu es dans une faiblesse. Il intercède par des soupirs inexprimables pour t'aider, pour t'envoyer, pour t'encourager, pour te sortir de là, pour te fortifier dans ce combat. Parce qu'abandonner le péché, c'est un combat spirituel. Et donc là, le jour où tu vaincs ce péché, le jour où tu surmontes ce péché-là, tu as un témoignage. C'est ça que dans Somme, je pense, 82 versets 1 à 5 à 6, il dit « Heureux ceux qui ont leur appui à l'Éternel et tournent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée de Béréka ou de Baca, c'est la vallée des pleurs, de la tentation. » Ouais. Donc, dans ta faiblesse, quand Jésus-Christ était dans sa faiblesse, Dieu envoyait les anges pour le soutenir. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Donc tu dois être fort, tu dois, il dit, et Paul dira dans Romains 12, 21, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne laisse jamais qu'un péché te domine, n'accepte pas, ne t'avoue jamais vaincu, dis-toi toujours, ça ira, je m'en sortirai, demain sera meilleur, je crois qu'un jour viendra où je vivrai sans ce péché. Et c'est ça qui va t'aider. Donc crois que c'est possible de sortir. Ne remets pas tout au diable. Ne t'abandonne pas au diable. Ne lui dis pas qu'il est vainqueur et que toi, tu es vaincu. Ne te laisse jamais vaincre par un péché parce que tu es un héros. Et tu dois croire en cela. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est avec eux. Et tu dois savoir cela. La grâce de Jésus-Christ est forte pour toi. Il est venu mourir. Donc, il ne peut pas te laisser mourir dans ce péché. Donc, tu dois être fort. Tu dois te défaire de la culpabilité pour être un homme fort et pousser jusqu'à ce que tu vois que ta vie devienne meilleure. Donc, c'est un peu cela. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Comme je te dis, je suis très fatigué, mais j'ai voulu vraiment, parce que c'est important, parce que je sais que beaucoup de jeunes souffrent de cela. Moi-même, j'en ai souffert. Et donc, c'est important pour moi de passer ce moment intime avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Vous avez mon WhatsApp tout à l'heure, je prends mon téléphone pour voir si je peux répondre à quelques préoccupations pour certaines personnes qui se m'assurent. Et nous allons travailler ensemble. Que Dieu vous bénisse. La nuit de prière, c'est ce vendredi à partir de 21h à Dogbon, derrière l'immeuble Camelet, et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dimanche, ne manque pas notre culte à Yaoundé, du côté de la Bière, à partir de 7h30. Les bus vous prendront comme d'habitude, et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le soir à 16h, nous serons à Douala. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom. Bye.